bois, je les ai pris chez moi et j'en ai fait des sculptures. Moi, je parle de statues, en fait, parce que j'en ai fait des personnages. Ce sont des personnages qui me parlent. Et ces personnages, je les peins. Et je les peins aux couleurs de la matière minérale. Et il y a des personnes qui pensent que c'est de la pierre. Il faut enlever toute l'écorce, il faut poncer, il faut enlever toutes les rugosités. Bon, une fois que j'ai poncé, que j'ai nettoyé, bon, je choisis bien sûr les formes en fonction de ce que je ressens. Je recouvre ces morceaux. Voilà un morceau que j'ai trouvé extraordinaire parce que c'est vraiment une tête. Bon, j'ai un petit peu arrondi, j'ai un petit peu arrangé. Je les recouvre de gesso, qui est un enduit à base de poudre de marbre. Vous voyez qu'il y a deux faces. Ce sont des Janus, comme les pièces de monnaie. Voilà. Et au fur et à mesure, je suis allée plus loin dans mes réflexions. Je me suis rendu compte que tout était lié. Les êtres humains, le végétal, la matière inerte. Une chose inerte n'est pas inerte. Il n'y a pas d'inertie en fait. C'est toujours, toutes les cellules sont les mêmes, qu'elles fassent partie de la pierre, d'un végétal, d'un être humain. C'est un tableau que j'appelle phagocytose. On voit comme un arbre, une racine qui a l'air d'avaler un être humain, mais en fait, où il l'avale, c'est plutôt pour dire que c'est l'un et l'autre doivent vivre ensemble. Il y a une reliance entre la nature et l'être humain. Dans ce tableau, ben, on voit très bien la formation des racines et qui se transforme en branches et également en être humain, une espèce de danse. Et les couleurs sont très sombres ici. Il y a du collage de papier, papier de soie. Alors je ne fais pas du collage à chaque fois, hein. Là il n'y a pas de collage, c'est uniquement de l'huile. Et j'ai beaucoup insisté sur les nuances de couleurs. Des nuances extrêmement pâles, ce sont des couleurs, des teintes que j'ai vues moi-même. Parce que quand j'étais jeune, plus jeune, je faisais de l'aviation et du vol à voile entre autres. Et quand j'ai fait un jour à Font-Romeu une épreuve d'altitude, je suis montée à 5900 mètres d'altitude dans un petit planeur en bois et en toile. J'étais bien sûr seule à bord. Et à un moment, arrivée en haut, je savais que j'avais réussi ma prise d'altitude. J'ai eu une drôle de vision, on ne voyait plus la Terre était complètement estompée et il n'y avait que ce genre de couleurs, le ciel, la Terre, des couleurs extrêmement, diaphanes, extrêmement sensibles dans leurs nuances et donnant une impression à la fois de solitude mais en même temps de... Mais solitude, hein. Là vraiment je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps j'avais pas peur, c'était une espèce de protection, d'enveloppe autour de moi qui m'a vraiment marquée. Et quand j'ai fait ces tableaux, je me suis rendu compte que j'utilisais ces couleurs. J'aime beaucoup cette ambiance, j'essaye de la recréer avec toujours des formes humaines faites en comme des branches. J'essayais de recréer une ambiance que j'avais vécue au-dessus de la Terre. Petit à petit, et je suis arrivée au questionnement sur la création. Et j'ai fait... Alors ça, c'est une pièce maîtresse, parce que on voit des fœtus, des planètes. Voilà, alors c'est ce problème de création, de la création, mais également de la création artistique. Toutes sortes de créations. Et c'est assez
C'est un questionnement qui est très important pour moi, parce que je trouve ça extraordinaire parfois d'un petit rien, d'un regard, d'une lumière, d'une plante, d'un brin d'herbe, d'un petit événement de rien du tout, tout à fait banal. Tout d'un coup, il nous arrive dans notre tête, enfin moi, il m'arrive dans ma tête des choses incroyables, des images qu'il faut absolument que je mette soit sur papier, soit sur toile.